Applying the principles of excellence is just a requirement for meeting all expectations. This means delivering a project according to contract specifications and respecting the agreed deadlines. Excellence means finding ways to do the work more efficient. It comes down on looking into the best options to eliminate health and safety risks or minimize environmental impact. Like in a relay race, the output of your work is input for the work of your colleague who comes next in the process. Identifié qu'un des points capitaux pour le client était le respect du budget. Afin de mener cela à bien, les équipes du bureau technique, du chantier et le client ont travaillé ensemble afin d'optimiser le design. Un des bons exemples, c'est d'utiliser le matériel qui vient du sol des excavations pour faire ces parements de murs en pierre naturelle. On utilise trois quais de déchargement qu'on tient à côté avec des sous-roulettes. Et à l'arrière, on en remet un tout petit à l'arrière. Donc pour nous monter sur les remorques, c'est beaucoup plus facile et on n'a quasiment aucun risque de chute ou de trébuchement. La chose la plus importante pour moi, c'est la sécurité et en second point, le rendement. Ce que j'ai fait moi-même pour améliorer la qualité des travaux, tous les matins, j'édifie mes hommes par rapport aux tâches accomplies. Et après la préparation, j'ai suivi et mes hommes et moi, on s'est mis au travail et le résultat est ce que vous voyez. Salesforce a considérablement changé mon travail parce qu'il m'apporte une somme d'informations importantes en un très peu de temps. Aussi, la notion de risque est discutée au board et c'est inclus dans les renseignements, les informations sur Salesforce. C'est une banque de données impressionnante qui est très utile à chacun. On travaille de façon intégrée avec les gens de chantier, l'équipe de construction. Pendant le tender, on vérifie que les alternatives que nous préparons soient construisibles. Notre objectif est de préparer le travail au maximum pour que, une fois que les plans soient utilisés en mer, la production se passe sans problème, safe et smooth. On utilise un béton avec deux types de ciment, ce qui nous permet d'améliorer la mise en place du béton et d'éviter l'ébullage, et qui nous permet d'avoir dès le lendemain une classe de résistance de C20, ce qui veut dire qu'on peut déjà décoffrer dès le lendemain. Es gibt in der Schweiz ein besonderes System für die Anfängereisen, um Unfälle zu schützen, dass Leute draufstürzen und sich verletzen. Wir kennen das alle. Bei uns machen wir das hauptsächlich mit diesen Kappen. Wir kennen das auch, dann wird das gerne vergessen. Keiner benutzt sie oder sie werden entfernt und nicht wiederhergestellt. Deswegen wird in der Schweiz Wert drauf gelegt, wenn der Durchmesser es zulässt, dass der Stahl oben abgebogen ist. Das hat den Vorteil, der Schutz ist sofort gegeben. Der zweite Vorteil, den ich dadurch bekomme, es wird mir gestattet, die Übergreifungslänge zu verkürzen. Ich spare also am Stahl und auch der Arbeitsschutz ist sofort gewährleistet und ich muss nicht die teuren Kappen kaufen. Das
Het eerste wat we doen is controleren of ze twee houtjes leggen. Omdat die wieltjes niet mogen beschadigen. En dan lopen we naar voren en dan check ik alle rode markeringen. Dus dat de barretjes waar de wieltjes aan vastzitten nog heel zijn. En de hijsbeugels veilig gelast zijn. Dat controleren ze op de fabriek. Dan bevestigen we een touw. Dus dat die tijdens het hijsen binnen de werf blijft. Dan geef ik een seintje aan de verkeersregelaar. Die stopt aan die kant het verkeer. Dus dan kunnen we over de weg heen hijsen. En dan als we aan de andere kant zijn, gaat het verkeer weer rijden. En dan laten we het gat zakken. We hebben dus een zeer kleine bouwlocatie. We hebben mensen hier in de put en die mogen niet onder de hijslast werken. Dat hebben we opgelost met een 3D hijsplan. Dat houdt eigenlijk in dat we een sectie van de bouwplaats afzetten. En in die sectie mag alleen gehezen worden. De rest van de bouwput is dan veilig om te werken. Om dit te communiceren met de mensen doen we elke morgen een startwerkbespreking. En dan wordt uitgelegd wie waar op dat moment werkt. Ik heb een boekje gemaakt over de meest voorkomende situaties voor valbeveiliging te zitten. Er bestaan hele lange tabellen waar dat iedereen moet gaan uitkijken wat je moet gebruiken. En dan moet je desnoods nog zelf berekeningen maken van hoe sterk dat je bevestiging moet zijn. En dat hebben we samengevat dat er niet meer moet gezocht worden. Dat je dit kunt gebruiken met die bevestigingsmiddelen en dan is er geen enkel probleem meer. C'est un projet marin complexe, multidisciplinaire, et qui doit être exécuté en tenant compte de contraintes majeures, comme un délai très court, 10 mois, mais aussi un environnement sensible et un accès difficile. Nos équipes ont développé une solution alternative à un remblai de 300 mètres en plaçant un pont flottant, mais aussi en mitiguant finalement le délai court. Ils ont développé une séquence minutieuse des opérations en augmentant le nombre de fronts de travail. Nos équipes, elles ont été créatives et ceci a permis d'être excellents auprès des projets délivrés à nos clients. The water sat for a long time in the lagoons in Dubai City. It was hypersaline water, 360 PSU. We have built a mixing base in Jumeirah. We have pumped this water inside there. We have pumped clear seawater and we have mixed it there to get the right parameters. And from there we have pumped the water back into the sea. We did this in order not to damage the sea life. I invite you all to meet together, to brainstorm, to achieve what we want as excellence for our QHEC field.